Voici le printemps, la douceur du temps nous fait des avances. Partez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances. Vous ferez agile sur l'onde tranquille, les barques dociles, vos bras des amants, de fraîches guinguettes, des figues bien faites, des frites sont pour être. Et y a du vin blanc. Trognon, trognon, oh trognon, je vais bien t'épater. Je vais t'emboucher une surface. Devine qui c'est qui m'a fait un cadeau. La concierge. Peste, tu as de belles relations, dis donc, tu m'avais jamais dit ça. Oh, ne chine pas la concierge, Trognon. C'est une femme. Tout ce qu'il y a de pâte. À preuve qu'elle m'a donné, mais devine quoi? Un gora. La concierge t'a donné un gora? Oui, mon vieux. Et qu'est-ce que c'est que ça, un gora? Tu ne sais pas ce que c'est qu'un gora? Ma foi, non. Oh, mon pauvre Trognon. Ben, je te savais un peu poire, mais alors à ce point-là. Alors non, tu sais pas qu'un gora, c'est un chat. Un angora, tu veux dire? Comment? Tu dis angora. Ben, naturellement que je dis angora. On ne dit pas angora. On ne dit pas angora. Mais non. Ben, que, depuis quand? Mais depuis toujours. T'es sûr? Ah, j'en suis même certain. Oh, ben non, non, non. Tu m'étonnes un peu parce que la concierge, elle dit un gora. Alors, si la concierge, elle dit un gora, eh ben c'est qu'on doit dire un gora. Et puis, t'as pas besoin de rigoler dans ta moustache, hein. Je la connais peut-être mieux que toi, la concierge. Et c'est pas toi, avec tes airs malins, ouais, qui lui fera le poil pour l'instruction. Ah, parce qu'elle est si instruite que ça. Mais tout ce qui se passe dans la maison, c'est par elle que je l'ai appris. Oh, là, 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 c'est une bonne raison, je le reconnais. Mais ça ne change rien au fond de l'affaire. Et pour ce qui est de dire un angora, sois sûr qu'on dit un angora. Bon, ben écoute, je dirais comme tu voudras, mon trognon, hein. Après tout, ça m'est bien égal, parce que si nous n'avons jamais d'autres motifs de dispute... C'est évident. N'est-ce pas? Sans doute. L'important, c'est qu'il soit joli, hein. Qui? Ben le petit Nangora que m'a donné la concierge. Oh, à cet égard-là, il n'y a pas mieux, un vrai amour de petit Nangora. Oh, attends, figure-toi, pas plus gros que mon poing. Avec des souliers blancs, il a des yeux, on dirait des cerises à l'eau de vie, et un bout de queue pointu, pointu, comme l'était noir de ma grand-mère. Oh mon Dieu, mais quel beau petit Nangora! Ben, au portrait que tu m'en traces, il doit en effet être très bien. Mais une simple observation, mon loup. On ne dit pas un petit Nangora. Ben tiens, mais pourquoi donc? Mais parce que c'est du français de cuisine. Ah, elle est bonne celle-là. Je dis comme tu m'as dit de dire. Oh, mais pas du tout, je proteste. Je t'ai dit de dire un Nangora, mais pas un petit Nangora. Dans le mot Angora, le A est précédé de la lettre N. Tandis que c'est la lettre T qui termine le mot petit. Ah? Ouais. En vrai, les histoires. Bah, qu'est-ce que je veux dire, moi, avec tout ça? Bah, tu dois dire un petit tambora. T'es sûr? C'est bien sûr. J'en suis pas certain. T'es sûr, sûr, sûr? Sans aucun doute. Y'a pas d'erreur? Absolument pas d'erreur. Ah, parce que moi, je tiens à te fixer, tu comprends? Tu l'es comme avec une vis. Bon, ben n'en parlons plus. Maintenant, je voudrais ton avis. J'ai pensé l'appeler Zigoto. Ah, oh, c'est une très bonne idée.
Moi, je trouve. Ah, je trouve ça épatant. N'est-ce pas? Ouais, c'est simple. Mais c'est gai. Sans prétention. Et puis, c'est facile à retenir. Et ça fait rigoler tout le monde. Oui, et puis, ça dit bien ce que ça veut dire. Moi, je trouve que pour un tangora, eh bien, le nom n'est pas trop mal trouvé. Pour un quoi? Ben, pour un tangora. Je ne voudrais pas te dire des choses désagréables, ma petite cocotte en sucre. Mais j'ai du mal à me faire comprendre. Fais donc attention, sapristoche. On ne dit pas un tangora. Mais ça va durer longtemps, cette histoire-là. Tu me permets? J'ai pas envie qu'on s'offre ma physionomie. Et si tu es venu dans le but de te payer ma tête, eh ben dis-le tout de suite. Oh, ben tu t'emballes, et tu as bien tort. Je t'ai dit de dire un angora, un petit tangora, un gros angora. Il n'y a pas de quoi fouetter un chien. Il ne faut pas te fâcher pour une question de liaison. Liaison? Mais une liaison comme la nôtre vaut mieux que bien des ménages d'abord. Et si ça ne te suffit pas, épouse-moi. Qu'est-ce qui t'en empêche? Mal appris! Grossier personnage! Moi? D'ailleurs, tout ça, c'est de ma faute. Parce que si, au lieu d'être gentille avec lui, je m'étais aussi payé sa tête, comme les 9/10 des grenouilles qu'il a gratifié de ses faveurs. Oui, 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 je le sais. Tu te garderais bien de te payer ma tête aujourd'hui. C'est toujours le même raisonnement. Je ne te crains pas, je t'enquiquine. Oh, oh, bon Dieu! Quelle dégoûtation! Heureusement, il est encore temps. Encore temps? Qu'est-ce que tu dis là, encore temps? T'en as de quoi? Parfaitement, je me comprends. T'as la chance. Vois-tu, mon trognon, il est toujours imprudent de jouer au plus fin avec une femme. De plus malins que toi, ils ont trouvé leur maître. Parfaitement. À bon entendeur. Je t'en flanquerai, moi, du zangora. Voici le printemps, la douceur du temps nous fait des avances. Partez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances. Vous verrez agile sur l'onde tranquille les barques dociles qu'on voudra des amants. De fraîches guinguettes, des figues bien faites, des frites sont